Welcome to Zenith, where learning matters. DELF B1 Production Orale. DELF B1 Speaking Test. Hey guys, in this video we will learn how to present a monologue for B1 level. First, the candidate needs to explain the article. Then, he or she has to present his or her opinion for or against with an example. Antithesis, if any. Propose a solution, if any. Finally, the conclusion. Before going ahead, I would request you all to please subscribe to Zenith Institute and click the bell icon to get the notification of our new videos. Now let's have an example. Here is an article, La parité ménagère, réalité ou utopie. And I will show you how you can present this article. L'article sur lequel je vais vous parler aujourd'hui, c'est la parité ménagère, réalité ou utopie. Ici, l'auteur va dire que les femmes travaillent plus dur et plus longtemps que les hommes. Pour montrer ça, il donne certaines statistiques. Il montre une enquête qui est faite par l'Institut Ipsos. D'après cette étude, il y a deux résultats. Premièrement, c'est les femmes font les tâches ménagères plus que les hommes et à cause de cela, les couples se disputent souvent. Deuxièmement, les femmes travaillent 16 heures alors que ses partenaires travaillent seulement 10 heures dans une semaine. Maintenant, je vais vous donner mon point. Tout d'abord, je vais présenter les points positifs et les points négatifs. Des solutions et enfin une conclusion. Pour commencer, je vous explique les points positifs. On présuppose que toutes les responsabilités et travaux domestiques sont pour les femmes et leurs partenaires doivent travailler au bureau et gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, le monde est en train de changer et on doit casser ce type de stéréotype. Par exemple, de nos jours, les filles ne restent plus dans leur maison, mais elles travaillent dans chaque domaine dans la société. Et donc, aujourd'hui, les femmes demandent une égalité pour les heures du travail domestique. Maintenant, les femmes veulent que leur mari passe le temps avec la famille et les aide à s'occuper des enfants. Heureusement, certains hommes comprennent cette situation et essayent d'aider leur partenaire. Par exemple, si la mère devrait assister à une conférence importante au bureau, le père emmène les enfants à l'école et fait les tâches ménage à la maison. En revanche, il y a des points négatifs aussi. Il n'y a pas de loi pour les femmes qui font le travail ménager au foyer. Elles doivent travailler toute la journée, alors qu'un homme travaille seulement 8 ou 9 heures dans un jour. En plus, il a 2 jours congé comme le week-end. Il se lève le matin, il va au bureau. Quand il retourne à la maison, il se repose et ne doit pas s'occuper des enfants. Bien que la femme doive se réveiller tôt le matin, préparer le repas pour la famille avant de partir au travail,
En retournant au bureau, elle fait des courses. Et après ça, elle doit préparer le dîner pour toute la famille, ranger la maison et aussi enseigner aux enfants. Elle n'a pas de temps pour se reposer. Pourtant, elle ne gagne rien contre ses travaux. Troisièmement, je pense qu'il y a des solutions pour résoudre ce problème. Le gouvernement pourrait rassurer les femmes et faire loi pour fixer le temps de travail domestique. En dehors de cela, le gouvernement devrait également prendre une initiative pour sensibiliser la société à l'égalité du travail au foyer. Pour terminer, je veux dire que sans doute, les femmes jouent un rôle important dans le développement de la société. C'est pourquoi elles devraient obtenir tout le respect. Et donc, il est nécessaire que les hommes participent aux tâches ménagères. Merci. In exam, you will get 10 minutes to prepare for the monologue. After that, the candidate goes to the examination hall and it takes around 10 to 12 minutes to finish the speaking test with the examiner. Hope it helps you to clear the speaking test. Bonne chance. You can also read this entire letter on our blog. Link is given under the description. Thank you for watching. If you like this video, please like, subscribe, and follow us.